Bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Monsieur Doob. Alors, je vous présente un peu les changements qui s'est fait à la base depuis les quelques derniers jours. On est dans la journée 117 de survie de ce jeu. Et puis, j'ai fait beaucoup de petites améliorations à la base. Et je tenais à vous le montrer pour voir un peu la différence. Alors, il va y en avoir ici derrière nous. Et puis, il va y avoir aussi des changements vers l'avant. Okay? Donc, je vais vous montrer ça. Et puis, vous vous souvenez un peu des lumières que j'avais en arrière, cachées derrière des murs, et ainsi de suite. Bon, ben, je me suis permis de les emménager à leur nouvelle position à l'aide de notre BCU ici. Alors, checkez ça. Ça, c'est de l'intérieur. Okay? Alors, fenêtre fermée ou fenêtre ouverte. On voit très très bien. Puis juste faire un petit tour rapide comme ça à l'extérieur. Alors je pense que là les chasseurs, là, peu importe où est-ce qu'ils se mettent, où est-ce qu'ils se placent là, pour venir attaquer ma base, là, on risque de les voir sérieusement. Alors là je vous montre de l'autre côté. Alors ça c'était le côté où on avait été attaqué. Et puis que je voyais absolument rien. Puis heureusement que le chasseur a fait exploser une grenade. Hein? Parce que ça nous a permis de le voir. Mais là, regardez. Hein? C'est quand même bien. Fait que avec ça, là. En tout cas, il reste juste à tester parce que je vais vous dire honnêtement, là, j'ai pas subi d'attaque. Alors aujourd'hui, je prépare ma petite poêle à frire. Alors il manque de l'électricité et de la masse. Parce que je vais travailler aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Et puis les fragments là, de zinc, je les ai. L'adhésif, la colle, je l'ai. Les lingots, je les ai. Alors ça, il n'y aura pas de problème. Puis la raison, ben, bien sûr, hein, au fourneau ici. Alors la raison sera tout simplement d'aller être capable de cuire le lapin à la casserole. La tarte au poisson. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais c'est ça. Oui, je suis curieux. Le poulet rôti, là, très curieux de ça. Puis regardez, là, j'ai tout avec moi, là. Juste un petit aperçu aussi, parce que je tenais à fabriquer aujourd'hui deux grenades. Et puis pour me faire des flèches avec pointe à grenade, pour aller attaquer notre fameuse base. La base qu'on voulait attaquer. Alors, aujourd'hui, je vais... Pas aujourd'hui. Ce matin, je vais travailler à fabriquer de la masse avec la fabriqueuse de masse. On va aller s'occuper des générateurs parce que je vais avoir besoin de beaucoup d'entrées d'énergie et de masse. OK? C'est pas marché, les gars? Alors, j'ai 0.76 puis 3.53. Donc, 0.76 qui rentre, 3.53 qui sort. Disons que c'est pas... idéal. Ok, ça va me donner 3. Alors, je devrais avoir 3.76. Ouais, 3.76, puis 3.33 qui sort. Excellent. C'est bon. Alors là, je vais aller fermer qu'est-ce qui n'est pas vraiment utile pour, encore une fois, maximiser la rentrée d'énergie. Parce que la fabriqueuse de masse, là, c'est correct. J'ai pas besoin d'utiliser le recycleur. Je suis pas pressé quand même. On est tôt dans le matin. Fait qu'on a amplement le temps. Mais je vais quand même vous montrer un peu. Vous savez hein, comment j'aime vous montrer des choses qui se sont passées dans les journées. Avant mon arrivée au jeu. Parce que j'en ai fait là. J'ai fait du looting, j'ai fait du farming. C'est pas apparu magiquement là, cette affaire-là. Alors je vais vous montrer ça, mais avant d'arriver à ça, je voulais vous montrer mes jardins. Une autre chose que j'ai bougé. Okay, vous vous souvenez à le dernier épisode comment qu'on performait pas dans le pourcentage du jardin. Fait que là, présentement, là, j'étais à 34% okay, d'efficacité. Là, hop, 51%.
Alors, ce jardin-là, là, lui, là, son maximum qui atteint, c'est 89% d'efficacité. C'est superbe. Là. Lui, ici, on est à 60%. Lui, je sais pas pourquoi le spot-là, il est comme... Il aime ce spot-là. Puis, je vais vous dire pourquoi. Parce que son maximum en plein milieu de journée, là, et ceci jusqu'à temps que le soleil se couche, là, il est à 100%. Alors, c'est ça. J'essaie de minimiser un peu le potassium parce que je me souviens pas exactement pourquoi j'ai besoin de potassium. Puis je sais que le potassium pour mon jardin, c'est qu'est-ce qui est le moins, ben pas le moins dispendieux, mais le plus efficace. Mais là, on prend les petits caca des animaux, là. On se débrouille avec qu'est-ce qu'on a. Fait que, donc, c'est ça, je voulais vous montrer. Alors, je vais vous montrer la journée 115 et la journée 116. Ça risque de prendre un peu de temps, là. Je vous avertis d'avance. Mais allez voir, par contre, ça vaut la peine d'écouter. Il y a des parties à l'intérieur, là. Honnêtement, là, que j'ai eu du plaisir, non seulement à enregistrer, mais j'ai eu du plaisir à, à jouer. Avec le jeu. Plein de petites choses là, qui étaient ça. Allez, on se voit fort possible en après-midi. Alors, nous voici dans la journée 115. C'est une journée typique. Une journée où est-ce que je fais du looting et du farming. Et puis, une journée où est-ce que je viens toujours voir la méga base. Où est-ce qu'ils s'en sont rendus? À quelle étape qu'ils sont? Et puis mon logiciel d'enregistrement, il est toujours à on. À chaque fois que j'embarque dans le jeu, j'enregistre. Est-ce que je monte tout? Non. Mais j'enregistre tout le temps, juste en cas que j'ai du bon contenu. OK? Alors, pour aller voir, bien sûr, cette fameuse base et son évolution, il faut que j'élimine ce fameux chasseur. Mais il est toujours là, lui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Il défend pas vraiment sa base parce que c'est toujours le même. Il est jamais habillé, il a juste sa petite veste de chasseur. Mais il n'y a pas de chapeau, il n'y a pas de veste d'armée, il n'y a rien. Puis il s'en vient avec son petit pistolet. Il tire quand même très bien, mais il n'est pas de match. C'est sûr et certain qu'il n'est pas un match avec moi. Mais moi, ça ne me dérange pas. Parce que j'obtiens un peu de ces affaires là et puis là ça me donne l'opportunité d'aller voir, mais c'était bon lui parce que lui il y avait une balle de revolver dedans, c'est bon. Fait que là qu'est-ce que je fais, c'est que je check les alentours, ok, parce que les fameux claymore comme on a vu la dernière fois, il y en avait à cette base là, était où est-ce qu'il était là. Fait que là je la check, je dis ils l'ont peut-être déménagé de place, c'est pas il faut voir. Je la check. Puis là, j'ai un... Bon, c'est correct. Niche cadavre. Tu regarde la roche. Je pensais que c'était Claymore. OK, je continue à faire mes petites recherches. Mais l'idée, c'est de dire, OK, je veux monter sur ma roche pour aller vous montrer l'évolution de la base. Ça, c'était le progrès qu'ils font. Fait que je voulais définitivement faire ça. Fait que j'ai dit, regarde, c'est correct. On continue le looting. Et puis à partir de ce moment ici, généralement, c'est là que je fais une coupure du vidéo parce que ça c'est trop long, sinon ça, c'est trop long à écouter. Mais j'ai dit non, c'est-tu quoi, gars? Je vais le laisser, je vais continuer mon enregistrement, puis on verra. T'sais? Fait que là, je vais aller monter sur ma roche. Fait que là, l'idée c'était de vous... donc l'idée c'était, en principe, c'était même pas de vous montrer comment j'ai tué le chasseur. Parce que c'est facile, là. Il n'y a rien de difficile à voir là-dessus. L'idée, c'était tout simplement d'arriver ici dans la vidéo, puis vous montrer, comme on a l'habitude, où est-ce qu'ils s'en sont rendus. Okay? Fait que là, je pense qu'ils ont installé une fenêtre. Je ne suis pas tout à fait certain, mais je pense qu'elle n'était pas là. Définitivement, ils sont rendus au troisième, parce que là, ils ont mis le plafond. Plafond slash plancher. Puis là, je pense à mon idée, ça serait le fun de les voir sur le balcon. T'sais? Juste un peu différent. Parce que Niche Kadapt, ils font leur clic-clic-clic-clic-clic-clic, mais ils restent à l'intérieur, là. Fait que moi, je sais pas combien de fois tu peux recharger ton arme
si tu ne l'utilises pas. Fait là, je dis ok, c'est beau, garde. Fait que je vais aller me promener. Je vais aller. Tiens. Et là, ça me met dans l'idée. Sais-tu quoi, la dernière fois, là, on avait trouvé une caisse, là. Souvenez une caisse spéciale, là, là, là. Où est-ce qu'il y a le nounours, là? Ben, à peu près, là. Tiens, pas exactement. Fait que là, j'ai dans l'idée de dire, peut-être qu'il y en aurait un autre caisse. Fait que, écoute, passe par là, ou on s'en va voir s'il y a une caisse. Fait que, un fou d'un poche. Fait que là, vous la voyez à ma gauche, mais moi, je la vois pas jusqu'à là, là. Okay? J'étais tellement préoccupé d'aller vers le nounours pour, tu sais, voir que j'ai quasiment passé dessus, ben, par-dessus, si on veut. Fait que là, moi, je suis super content, là. Tu sais, les choses vont bien. C'est pas trop extraordinaire comme caisse, mais je suis content. J'ai 3 graines de tomates. J'ai un peu de fer. Parce que ça coûte, quoi, 18 morceaux de fer pour faire une un crochet. Fait que là, lui, il s'énerve, là. Je sais pas pourquoi, là, mais j'étais quand même proche. Là. Puis là, c'est la raison pourquoi j'arrête pas le vidéo. C'est que, lui, qu'est-ce que tu fais là? Tu comprends? Fait que je pense qu'ils ont finalement compris en disant, ce gars-là, là, il vient toujours voir comment qu'on va. Il tue toujours notre gars dehors, puis on se revanche jamais. Que je pense qu'ils ont comme compris que... Hein? Puis regardez ma barre de santé, là, vous allez la voir, là, elle est dans le jaune. Et puis à partir de ce moment-là, là, moi j'ai pu... je m'en occupe même pas, je sais même pas qu'elle est dans le jaune. Fait que moi de tout va bien là. La vie est en rose, j'ai mon inventaire est plein, ça a été une fabuleuse journée, je suis super content. Fait que là je suis prêt à retourner à la banque, ouais je suis allé à la banque, à la base, excusez. Et puis, mais là me vient une autre idée en tête, ok? Vous vous souvenez là dans le dernier ou l'avant-dernier vidéo, on n'avait pas juste trouvé une boîte spéciale, hein? On en avait trouvé 2. Fait que là, je me suis dit, ça serait-tu bon si je pourrais en trouver encore une deuxième dans la même journée? N'oubliez pas, on est journée 115. On n'a pas évolué dans nos journées. Là. On est toujours la même journée, 115. Fait que, checkez ça. Moi, j'en garde là, parce que c'est là qu'on l'avait trouvé la dernière fois. Mais là, je ne la vois pas. Fait que là, ben, j'étais un peu déçu. Parce que finalement, je suis. Ben, c'est ça, je suis déçu. Il n'y en a pas. Je dis, ok, c'est que. Ben, quand une caisse, c'est super bon, là. Mais, tu sais, deux, c'est comme, c'est merveilleux, là. Fait que je continue mon looting parce que c'était un peu ça la journée, hein. Looting, farming. Et puis je fais aussi avec les fibres, je fais les bûches de fibres. Tout simplement, c'est du bon carburant. Puis j'en ai des fibres et du cordage, là, fait que là, je m'apprête à rentrer tranquillement. Puis là, regardez devant moi. Moi, je la vois. Là. Je sais que le jeu commence à faire noir, là, mais je la vois très bien. OK? Un gars chanceux, c'est un gars chanceux. Fait que là, j'ai retourné à la base pour me refaire ou vider un peu mon inventaire, refaire le crochet. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Tiens, c'est quand même pas pire. Quand même pas pire. Fait qu'on avait 7 morceaux de fer dans la première caisse. On en a 8, là. Fait 15. J'ai seulement perdu 3 morceaux de fer en total. Puis on a les plaquettes aussi d'armure. Là, on est rendu dans la journée 116. Fait que journée 116, c'est à peu près la même chose. Mais là, je découvre que monsieur ou madame Nounours court après madame Bambi. Comprenez? Fait que là, je suis curieux. Elle faisait pas partie vraiment de ma journée. Mais je suis curieux pareil. Fait que là, je sors de l'eau, j'ai checké le loup, il était parfait, là.
Puis là, il pleut, il vent, il fait tous les bruits pas imaginables. Là. Fait que là, je suis prête. Là. Okay? Moi, je faisais du farming là, pour les plantes marines. C'était mon farming. Là. Alors, mais là, je suis un peu excité parce que j'ai un peu de contenu différent, si on veut. Où est-ce que Nonours chasse Bambi? Mais là, je réalise que je vois pas Bambi, puis je vois les nonos, puis les loups. Fait que là, ben, je me dis, mon chien, il est mort. Là. Fait que je vais continuer à faire mon looting, comme d'habitude. Et mon farming. Fait que là, j'ai mon gros arbre ici. Là. Mais là, je réalise, regardez ça. Je réalise. On a Bambi. OK? Juste en face. Là, j'ai un petit problème, par contre, c'est que j'ai seulement que 2 balles pour mon fusil d'épaule. Puis là, je viens d'en gaspiller une. Et puis là, j'ai Nonours, ici, qui est du niveau 5 en passant. Fait qu'il a dû avoir du plaisir, lui, avec les Rogue Hunters, à un moment donné. Fait que là, lui, il est niveau 5. Il m'inquiète pas, mais je sais qu'il va venir m'emmerder. Parce que je dois passer par là. Fait que pourquoi pas éliminer le niveau 5. Et puis en avant de nous, c'est un niveau 3. Alors, on élimine le niveau 3. Parfait. Puis là maintenant, il me reste Bambi. Fait que je dépaisse mes nonours. Puis là, ben Bambi se trouve juste en face. Il a juste bougé un tout petit peu. Là. Mais là, je suis très nerveux. Parce que il me reste une balle. Et puis, je veux absolument obtenir du bon contenu pour cette vidéo. Je veux avoir quelque chose que j'ai pas fait, ou même si quelque chose que je répète, je veux que ça soit différent. Fait que, mais là je me sens vraiment pas à l'aise, donc confortable de le tirer. Fait que là je suis un peu stratégique, là je veux essayer d'avancer tranquillement, mais je regarde là, un tout petit peu à la droite du milieu de l'écran, vous le voyez pas, mais il y a un nounours, ok? Puis là, Bambi s'en va vers le nounours, ou en tout cas dans la direction du nounours. Fait que là, mon souhait est de que nounours aille faire la job pour moi. Puis en même temps, ben, ça, je sais pas là, si certains d'entre vous ont vu là, une chasse au nounours et Bambi, mais gardez. Fait que là, j'essaye d'y suivre, mais je les perds de vue. OK. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas une attaque qui va se faire, OK? Mais j'aurais aimé ça de l'avoir sur caméra. Parce que c'est le fun. Fait que là, je cours, cherche. Puis là, hop, je vois mon nounours. Puis plus loin, je vois mon Bambi. Fait que là, un peu déçu encore. Là, évidemment, Monsieur Nonours ou Madame Nonours va venir m'emmerder parce que c'est qu'est-ce qu'ils sont programmés à faire dans le jeu. Alors là, je veux éviter parce que là, c'était vraiment pas la journée du farming d'animaux. J'ai pas besoin de leur viande. Le gras, c'est correct, mais j'en ai pas besoin de façon urgente. Fait que... je vais économiser mes balles. Le but, c'est d'économiser mes balles pour tous mes fusils pour que je puisse aller attaquer cette fameuse méga base avec le maximum de balles que je peux avoir sur tous mes fusils. Pas juste un, sur tous. Fait que là, je suis content parce qu'on a Bambi, on a Nonours. Nonours ne semble pas être intéressé. Fait que là, il me reste une balle, mais là il est bien là. Il est super bien, là. Il n'y a pas de problème. Fait qu'on aura peut-être juste Nonours qui va nous emmerder, mais...
Je suis quand même un peu loin. Je vais essayer de pas l'agresser. Ok, fait que... calme-toi, là. Fait que là, je vais vous montrer après. Donc, toujours sur mon retour à la base. Toujours la journée 116, on change pas. Qui joint? Un rogue. Juste par la façon qu'il est habillé, je le sais que c'est un rogue. Fait que là, parce que la base est l'autre, et l'autre base est plus loin. Ben, plus loin, en tout cas. Puis son contenu de son sac m'indique... Ah! Mais indique facilement que c'était un rogue. Fait que là, regardez, portez attention à ma barre de santé. Moi, pendant ce temps-là, là, je vois qu'ils sont deux. Fait que là, j'oublie ça. Avez-vous vu, man, une balle additionnelle? Je perdais une vie. Toujours journée 116. OK? Là, j'ai mis un peu d'effet sur la vidéo pour vous parce que c'est noir. Fait que là, j'ai des rogues approches de l'eau. OK? On la voit pas, l'eau, mais l'eau est là. Puis j'ai quelque chose d'un niveau 2 à ma gauche. Fait que là, je dis, c'est-tu quoi? Moi, me faire un feu de camp, je vais passer la nuit ici parce que mon inventaire est quand même très bon. Hein? Fait que je veux rien perdre. Je veux pas perdre de vie, et ainsi de suite. Puis... Comme je vous dis, là, j'ai rajouté un genre là, de whatever là, sur la vidéo pour vous donner l'opportunité de voir qu'est-ce qui se passe. Là. Moi, mais moi, je vois rien. C'est comme, je vois la pluie qui tombe, c'est tout. Fait que là, j'ai réalisé que le feu de camp est plus là. Fait que j'ai dit, OK, garde, on laisse tomber, on s'en va à la base. Okay? Ma barre de santé est pas fantastique. Après le fameux les fameux hunters là, pas fantastique parce qu'il y a eu d'autres choses, d'autres petits événements qui se sont passés entre ce moment-là. Fait que là je cours, ok. Je m'en vais vers mon petit point blanc. Hop, regardez ça, juste là. Ça c'était les rogues. Fait que ils étaient pas partis, ils se sont fait accrocher par Nounours. Moi, c'est drôle parce que j'ai pas... Mais c'est vrai, avec le tonnerre, puis le vent, puis le signe, on n'entend rien, là. Mais le nounours devant nous autres, là, je vous assure, on va pas très bien le voir, là, mais je vous assure, il est du niveau 5. Parce que moi, je vois pas le nounours, mais je vois sa barre de santé, OK? Je le sais qu'il est du niveau 5. Fait que là, j'ai pas le choix. Il faut que je le... Parce que je veux tout avoir... Puis je vais le dépecer, je vais me créer de la place. Alors, écoutez, ça c'est la journée 115 et la journée 116. Fait que on retourne dans notre propre journée. Allez, on se reparle plus tard. Donc, de retour et bienvenue à tous encore une fois. Alors, je crois... Il est quand même assez tôt dans l'après-midi. Là. Je crois... Oui, regardez, on a assez d'énergie. On a assez de masse. Fait que je pense qu'on peut tout faire. Bon, la casserole, ça, c'est sûr et certain là, que je peux la faire. Là. Et voilà... Je peux faire une grenade, deux grenades. Manque de la masse. Ok. Pourquoi qu'il manque de la masse? Manque pas gros là, mais. Ah ben. Je m'occupe de ça. Une chance qu'on a une recycleuse, hein? Pour créer de la masse rapidement.
Parce que la fabriqueuse est correcte. Comme je vous avais expliqué, tu la fabriques quand tu as amplement le temps. Mais quand tu veux en avoir now, maintenant, ben, tu utilises... ben là, j'ai oublié, là, mais tu utilises autre machine. Excellent. Excellent. OK, alors... Équipement, casserole, bon, alors lapin à la casserole, l'image a l'air intéressante, mais bien sûr il faut un maudit lapin, je vais l'appeler suprême, filet de saumon pour lui, ça semble être cuit, hein? La purée, ok, bon, en tout cas, lui il nous intéresse. Puis j'ai tout, là. Ok, ouais. Je perdrai pas mon temps à améliorer, là. J'ai assez d'énergie. Pas besoin de... Ah, man, le temps avance. Je pense qu'on n'aura absolument pas le temps d'aller attaquer la base aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Mais bon. Regarde, pas grave, j'ai assez d'énergie. On va me faire au moins celle-là. Là. J'aurais aimé ça de faire les deux autres, là, mais... Ce sera pas pour aujourd'hui. J'ai essayé le saumon cuit. Même si j'ai pas de purée. Là, j'ai essayé le saumon cuit, ça fonctionne pas. Je vais essayer le saumon cru. Bon, lui, il me dit toujours zéro en inventaire. Je sais là, que j'en avais juste deux, là, j'en ai pas trois, là, mais c'est bien saumon, hein? Filet de saumon. Ok. Il y a peut-être un bug dans le jeu? I don't know. Regarde, j'en ai trois en inventaire, là. Il marque toujours zéro. Même si j'avais pas de purée, c'est pas grave, là. Au moins, les saumons, les carottes, les oignons, tout ça, j'ai ça, là. La purée se fait où exactement? Ah ben oui, c'est sûr. Faut un chaudron. Ah! Bon, ok. Anyway, c'est pas grave, on va continuer. Là, j'ai deux claymores à installer. Je pense que c'est pas mal dû. Et puis, d'ailleurs, vous allez voir pourquoi que j'installe les claymores. Ça va être... Ben, en tout cas, ça sera pas fait pour aujourd'hui, là, dans ce vidéo. Mais, fort possible, le prochain vidéo. Ok? On va juste modifier le comportement des chasseurs. Alors, au lieu qu'ils attaquent seulement et uniquement quand je les attaque, on va changer ça pour quand ils attaquent de façon aléatoire. Ça va être le fun. Ça va de l'action. Parce que là, ils attaquent pas vraiment. OK, ça, ça va. OK, je peux les bouger. Nice. Puis si je pile dessus... All right. Good, 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 good. Ouais, fait tard, là. Fait qu'une petite chasse au lapin. Fait qu'au moins j'aurai le lapin. Puis on pourra peut-être se faire, dans les prochaines journées, on pourra peut-être se faire des la casserole au lapin, là. Mais là, faut que je le trouve, le lapin, là. C'est pas évident, là. Quand tu veux pas les avoir, ils sont partout. Puis quand tu veux en avoir, ils sont nulle part. Ah, oh, non, non, c'est beau. J'en ai un devant moi. Cool. Cool, cool, cool. Petit lapin. Viens ici, mon ami. Tu vas-tu rester vivant? Yes! Excellent! Viens, mon ami, on va te guérir. Mais pas de problème. On va te rendre gros et fort. Bon ben, bon matin à tous. Alors, je me prépare. Ah, notre monsieur Joe. Je devrais l'appeler Jack. G.I. Jack. Ok, alors là, les fusils sont chargés.
J'ai emmené mon revolver. On va faire le... Non, pas ça, Jack, c'est ça. Ok, là, on va s'occuper de remplir les flèches correctement. Alors, la flèche avancée et la flèche de grenade. Puis, j'ai attendu toute la soirée aussi pour aller voir le fameux poulet, le poulet rôti, là, qu'on a fait hier, là. Je vais juste voir. Ok, parce que, regardez, mes jauges, là, sont quasiment vides, là. Ils sont dans le rouge, là. Mon petit couteau fourchette est sorti. On ne voit pas les stats avec ça. Ah, ok. Gardez, protéines plus 25. Fruits, légumes, 25. Fin, 25. Ok, ben pas 25, mais 125. On a santé max 1.10. 0.90 pour stamina. À garder mes lignes en bas. Puis là, je sais pas qu'est-ce qui se passe en haut. Là. Aucune idée, là, mais c'est pas grave. Hey, ça l'a rempli, man. C'est un peu cher comme repas, là, mais... Bon, ok, alors, là, c'est là qu'il débute l'action, man, là. On a assez tété avec la popote. Lâche-moi, toi! Fatiguant, il me suit depuis tantôt, ce morveux, là. On va aller quand même le dépecer, hein. Il était fatigant, man. Il m'a suivi tout le long. Écoute. Ok, donne-moi ton morceau de viande. Ça va être notre morceau de viande de célébration. Mais qu'on ait fini la... On le fera cuire sur le camp, le feu de camp du chasseur. Garde-les. Je sais pas combien ils sont, hein? 2 ou 3? Ok, je peux-tu l'avoir d'ici? Non. Man, j'ai de la misère! Si ça aurait été un chevreuil, là, je te garantis, je l'aurais pas manqué. Une dernière petite boîte avant, hein? Hey, wow. T'es pas sérieux? Pas sérieux? Non. Thank you.